Homme, lion, aigle et perdrix. Cerf cornu, poisson silencieux, habitant de l'eau, étoile de mer, et ce que l'œil ne pouvait apercevoir. Bref, toutes les vies. Toutes les vies ayant achevé leur triste cycle se sont éteintes. Et depuis déjà des milliers de siècles, la Terre ne porte plus aucun être vivant. Et cette pauvre lune allume en vain sa lanterne. Les cigognes ne crient plus à leur réveil dans le pré. On n'entend plus le hanneton de mai dans les tilleuls. Il fait froid, froid, froid. Vide, vide, vide. Terrible, terrible, terrible. Les corps des êtres vivants sont tombés en poussière. La matière éternelle les a transformés en pierre, en eau, en nuages, et leurs âmes se sont fondues en une âme unique. L'âme collective, universelle, c'est moi. Moi, je suis l'âme d'Alexandre le Grand et de César et de Shakespeare et de Napoléon et de la dernière des sangsues. En moi, la conscience des hommes s'est confondue avec les instincts des bêtes. Et je me rappelle tout, tout, tout. Et je vis à nouveau chacune des vies qui sont en moi. Vous partez ? Pardon, je voulais pas vous déranger. Au contraire. Le public se fait rare la nuit. Comment êtes-vous entré ? Par la porte de secours à l'arrière. Il suffit de forcer la poignée. Je suis juste venu récupérer mon... Votre carnet ? J'ai fait tomber mon stylo en quittant la salle tout à l'heure. Vous devez y tenir à ce stylo pour braver le froid et la nuit. Pas tant. J'avais besoin de prendre l'air. Comment vous savez pour mon carnet ? Vous griffonniez dessus comme un forcené au lieu de regarder la pièce. Vous m'avez vu dessiner depuis la scène. Vous étiez pile sous la lumière de la sortie de secours. Ah, oui. C'est lumière. Une aubaine pour les dessinateurs. Oui, et un phare pour les comédiens fébriles. Mais ça emmerde tous les autres. Quand le spectacle est bon, on les oublie vite. J'étais ennuyeuse. Tout à l'heure, hein, pendant la pièce. Vous aviez plutôt l'air de vouloir vous enfuir. Ouais. C'est pathétique. J'aime pas le théâtre, de toute façon. Ah bon ? Pourquoi ? J'y crois pas. Ça m'a toujours paru prétentieux. C'est pas contre vous, hein. C'est un langage différent. Une question d'habitude. Pourtant, je viens ici tous les week-ends depuis que j'ai 7 ans. Vous aimez vous faire du mal, alors ? Peut-être. Mais pourquoi venir si vous n'aimez pas ? On n'échappe pas au théâtre du samedi soir. Tradition familiale. Vous êtes proche de votre famille ? Oui, très. Ma petite sœur, mes parents, ma grand-mère et moi, on reste ensemble collés. Comme des doigts de pied. Et vous êtes quel orteil ? Celui du milieu, le tordu. Et vous, qu'est-ce que vous faites là, toute seule, la nuit ? Je joue. Pourquoi ? C'est une question un peu bête, non ? Vous jouez seule ? Oui. J'ai l'impression que ça vous paraît absurde. Et mon jeu ? Comment c'était ? Mieux que pendant la représentation, non ? C'était différent. C'était mieux, j'en suis sûre. Oh là là ! Je suis prétentieuse, non ? Vous me trouvez prétentieuse ? C'était pas votre monologue ? Je veux dire, là, à l'instant, c'était pas votre texte, si ? Ah bah donc, vous avez écouté la pièce ? Le soir, je joue Arkadina. L'actrice acclamée, la femme du monde, la mère froide et manipulatrice. Et la nuit, je suis Nina, la jeune première pleine d'espérance, l'amoureuse candide et fugitive, l'oiseau contrarié par les vents. Je préfère. On a tous peur de vieillir. Oh, l'âge, c'est une chimère, on devrait s'en foutre, moi je m'en fous. Et où est le problème avec Arkadina, alors ? Je suis tellement frustrée que j'en oublie le public. Alors que c'est pour lui que je joue.
Et vous l'avez accepté, ce rôle, non? Oui. Je l'ai même cherché. Pourquoi? Je suis comédienne, c'est mon métier. Des pièces, il y en a des centaines, partout, tout le temps, vous avez le choix. Non. Non, non. C'est pas vrai. J'ai un peu froid. Je vais chercher un pull. Je vais vous laisser alors. Non, restez. Mais descendez, c'est ridicule de se parler ainsi. Vous aimeriez avoir des enfants? Très peu pour moi, merci. Vous? Vous en avez? Non, je n'en ai jamais eu envie. Vous regrettez? Pas du tout, mais je m'en suis longtemps voulu. Pourquoi? Je ne voulais pas être mère, mais je comprenais pas pourquoi. Ça m'obsédait. Tout le monde autour de moi ne parlait que de ça, et moi j'essayais d'être comédienne. Alors tout de suite, ça m'a intéressé les rôles de mère, je voulais comprendre. Et très vite, je n'ai plus joué que ça. Vous aussi, vous aimez vous faire du mal, alors? C'est pas ça, je cherchais juste une réponse. Et vous avez trouvé? En fait, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre. Je suis comme je suis, c'est comme ça. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Je vois. Vous n'aimez pas le théâtre, mais vous lisez Pascal. Ouais. Il m'aide à vivre. Et tu dessines quoi, au juste? Rien d'incroyable, des portraits. Ah bon? Pas de bande dessinée? J'aimerais bien, mais j'ai pas grand-chose à dire, alors je laisse les autres parler pour moi, c'est plus simple. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est les petites histoires. Un portrait, c'est un peu comme une petite histoire, non? Oui, c'est vrai. Regarder les gens, les scruter, imaginer leur vie et les dessiner, ça doit être passionnant. Ouais. Mais pour imaginer la vie des gens, j'ai d'abord besoin de les dessiner. Un dessin, c'est plus accessible qu'un humain, plus transparent, moins effrayant. Mais moins précis. Justement, on jette le superflu, on garde l'essentiel. Oh, je suis peut-être trop attachée aux détails. Ils ressemblent à quoi, tes portraits? Y'a pas grand-chose à dire, désolé. Tu dessines qui? Des gens, comme vous. Tu dessines où? Un peu partout. Au café, dans les parcs, à la gare. Surtout à la gare, en fait. Je suis venue ici en train, la gare ne m'a pas marquée. Une gare, c'est triste, non? J'aime bien les gares. Mais l'important, c'est les gens et ce qu'ils y font. Au final, partir ou rester, c'est la seule décision qui compte vraiment, c'est ça qui est intéressant. C'est tout. Je peux les voir, ces portraits? J'ai pas très envie. C'est toujours enrichissant de montrer son travail. Sinon, on progresse pas, et on n'en vit pas. Ça vaut pas le coup. C'est dommage. Vous jouez bien sans public, c'est pareil. C'est bien là le problème. Ici, une ride, c'est un crime. Passer 30 ans, on n'a plus qu'un choix, être mère ou disparaître. À mon âge, on n'a plus le droit de jouer la jeune femme qu'on a été. C'est si radical. Il y a toujours des exceptions. Mais vous n'êtes pas assez connue, c'est ça? J'ai eu quelques succès discrets. C'est derrière moi. C'est difficile de se représenter ce que ça peut faire pour une comédienne. La frustration. La solitude. Le sentiment de disparaître parce qu'on t'appelle pas. Et la jalousie aussi. Et puis l'espoir d'un coup comme ça, que d'une minute à l'autre, le téléphone va sonner et que quelqu'un, quelque part, va te proposer un rôle différent. Attendre. Comme si ça pouvait être aussi simple. Personne ne pourrait écrire d'autres rôles pour vous? J'ai des relations, oui, des connaissances. Mais j'aime pas ce qu'ils écrivent. C'est pas méchant.
Une fois, un homme est venu me voir après une représentation. Il m'a dit que j'étais la plus grande comédienne qu'il avait jamais vue. Il m'a dit que je lui avais inspiré un personnage et qu'il avait commencé l'écriture d'une pièce rien que pour moi. Il me promettait un avenir grandiose. On s'est mariés et je n'ai jamais lu un seul mot de sa fameuse pièce. Il avait menti ? Non, c'était sincère, il écrivait. En tout cas, il essayait. Ces rôles différents, écrivez-les vous-même. J'ai essayé, moi aussi. Et ? Un désastre, n'en parlons pas. Mais tu sais, des rôles déjà écrits, des rôles qui m'intéressent, il y en a déjà. Ils m'ont juste échappé. Mais ça vous convient de jouer comme ça ? Je m'en accommode, en attendant de trouver mieux. Je me disais que je pourrais me les offrir, ces rôles qu'on me refuse. Que je pourrais jouer seule, juste pour moi, juste pour le plaisir. Comme on s'offre une chanson sous la douche. Tu comprends? Vous aviez l'air heureuse pendant le monologue. Plus épanouie, en tout cas. Peut-être que vous n'avez plus besoin du public. C'est faux. Tu étais là. Je veux d'autres rôles et en même temps, j'ai besoin du public. Je veux les deux, sinon à quoi bon? Tout va bien? Tu m'as l'air encore plus embrumée qu'avant. J'essaie de me caler sur la météo. Je suis pas la meilleure pour dissimuler mes émotions, mais toi, ta détresse est écrite sur ton front. Je dois partir. Je te retiens pas. Non, je parle pas de maintenant. Je dois quitter cette ville. Pour aller où? Je sais pas. Peu importe, loin. Ce qui compte, c'est de jamais revenir. Pourquoi? Parce que j'aurai pas la force de repartir. Et que je devrais passer tous les samedis soirs de ma vie au théâtre. Tu n'es pas heureux ici? Qu'est-ce qui t'empêche de partir? Ah oui. Les autres orteils. Ils sont courants? Non. Ils ne me laisseraient pas partir de toute façon. Ça leur ferait trop de mal. On t'exagère pas un peu? Vous savez pas à quel point ils m'aiment. Non, je sais pas. Mais dans ce cas, ils comprendront. Toi, tu les aimes? Ils sont tout ce que j'ai. Mais pourquoi partir dans ce cas? On est bien là, non? C'est pas mal. J'ai juste besoin de changer d'air, de voir d'autres choses, d'autres gens, d'autres gars. Tu n'as pas d'amis ici? On n'a plus rien à partager. Mais ils sont heureux, je crois. Ils ont l'air, en tout cas. Et tes amours? Envolés. Quand j'étais petit, j'aimais bien imaginer être le seul rescapé d'un accident de voiture avec ma famille. J'imaginais ma tristesse et le regard des autres plein de compassion. Comme s'il fallait au moins ça pour avoir le droit d'être malheureux. L'image m'est revenue récemment.
Tu sais, si je ne veux plus incarner Arcadina et toutes les autres mères, je crois que c'est parce que j'arrive plus à les défendre. Je leur trouve plus de beauté, plus de sens. Je les aime plus. Ben, c'est pas grave, c'est comme ça. À force de stagner ici, j'ai l'impression que je vais oublier comment on fait pour aimer. J'ai peur. Moi aussi. Et vous allez faire comment? Je sais pas, je trouverai quelque chose. Ça ira. C'est moi, ça. Excuse-moi. C'est si terrible que ça? Moi, je trouve ça très touchant. Ça te ressemble bien. Et maintenant? On a le choix. On peut sortir ou rester là. Et attendre Godot? À lui, non. C'est inutile, il est passé depuis longtemps. Oui, sûrement. Au revoir. Au revoir.